Et ça, les bateaux passent. Je suis allé à la maison de Poto pour faire un concert, or que c'était des commerçants. Tu vois, aujourd'hui, nous devons quand même prédiquer des conseils à certains artistes musiciens. La musique, ne mélangez pas la musique. Si tu veux faire du commerce, le commerce, il ne faudra pas que tu te fasses un peu de la commerce. Le temps où tu as des potos, tu as des papi basting. En tout cas, ça m'a fait mal. Il faut que j'essaie un peu de parler de ça. Pourquoi? Parce que, au-delà de tout, nous sommes sur tous les gars et balémoko. Au moins, le conseil, on va penser à Mikumbia Onatra. Mikumbia Onatra, ATC. Et c'est que le pays Mikumbia. Des boîtes ou paix, boyo kayango. Pour bien on a son bocat sagaga et sigamogo ou ça la rappe ma solo gaga et sigamogo. Papi Basting aujourd'hui, quand il prend le courage de faire un voice, il croyait qu'il faisait confiance à la personne. Non, la personne, quelque part, c'est une façon aussi de sécuriser les musiciens quand il a fait sortir ce voice là. C'est une façon de les sécuriser. Tout ce que Papi Basting a énuméré. Dans ce voice-là, ça prouve qu'aujourd'hui, les managers sont à la hauteur devant les musiciens. À l'époque, nous, on se disait que le manager, Azalogola Mwana Moussala, est un musicien. Il est là pour aller chercher quelque chose et on sait de c'est tout. Le manager n'est pas un artiste, un musicien. Mais quand Papi Basting appelle un frérot en disant que mon frère, Nganazoya Potoana Epsanga Dini Lagoya Rapona Teka, Dini Lagosala, pour Monito Zelaga, Berber et Toutou, que vraiment Gosengagaye tout le temps, ça prouve une bassesse d'esprit dans le milieu musical. Est-ce qu'il y a un goyan à ma Carolite? Est-ce qu'il y a un goyan à ma Pondou? Mais ça, c'est le satanisme, ça. Les musiciens sont des potos pour mettre un concert. Vous m'avez dit que la poto constatée dans la opération, ou neurochirurgicale, le niveau moutou, ou dans la hernie, ou dans la bombe, ou dans l'opération, ou dans l'autre, ou dans l'autre. Où la Ligue Souna se formait musicalement, que d'aller dire ce qu'il a dit là. Mais c'est très dangereux. Ça, c'est affaiblir carrément la musique, dans le sens où nous constatons qu'il y a des managers qui font de n'importe quoi. Les longs musiciens posent un bon repos foutandago, donc ils disent que le Fabien est un manager. Sora le gars, moi aussi, donc Fabien est un manager. Sora le gars, il faut être un manager. Et pourquoi conseil au Bosso qui est un Bosso qui est un Bosso qui est un. Voilà des gens qui ont embrassé les vendeurs de rêves, des faux managers complexés. Tu es manager, mais tu veux faire de l'orchestre ton orchestre. Par rapport à quoi? Au moment qu'il y a des mélomanes, il y a des fanatiques qui attendent aussi de l'évolution de ces orchestres-là. C'est très dangereux. Maintenant, selon Yo Héritier de Neskens, quels critères pour des bons managers y a artistes Nabiso Awana Congo? Écoutez. D'abord, la première des choses, un manager, c'est celui qui doit respecter ce qu'il est en train de faire auprès de l'artiste musicien. Et il doit écouter plus ce que l'artiste ou Erolobanae. Un manager, tu n'as pas le droit de venir imposer un rythme à un artiste musicien. Au moins, que vous tombez sur des petits musiciens, raison pour, c'est-à-dire vous tombez sur des petits musiciens, après une fois le musicien devant encore complexer de toi manager. Mais si le musicien est sûr de lui, il sait que tu vas rien apporter parce qu'il est né peut-être musicien. Vous comprenez? Il a commencé la musique, toi tu n'étais pas avec lui. À ce moment-là, à quoi ils sont vérités, la bande de musique, les longues, la bande de musique, c'est au Congo, les longues manager, les longues pour musiciens, il faut que de toquer manager. Mais dans les autres pays, là où la musique a pris de l'ampleur, comme on est rendu sur Côte d'Ivoire, ces choses-là ne passent pas. Ne passent pas. Critère à Liboso, le manager ne doit pas être jaloux. Il ne doit pas être jaloux. Il ne doit pas être complexé. Parce que ce qui tue le monde, c'est le complexe. Très bien. Surtout le complexe d'infériorité. Lorsque vous constatez qu'il y a une bassesse d'esprit, à ce moment-là, vous allez chercher à chercher des problèmes aussi à l'artiste musicien. Très bien. Fiable. Fiable. Respectueux. Respectueux. Azala jalouté. Jalouté. Azala na la haineté. Na la haine. Vous comprenez, nous avons vécu des choses dans ce pays. Parce que le monde management, ils ont balbutié un peu. Il y a des gens, ils n'aiment même pas certifier en management. Une fois qu'à s'intéresser à artiste musicien, à distraire, à cossier, que vraiment je peux te manager.